Casse Kaba, la Casse Baba. Mais tous les Simon Dola. Salut la Réunion, nous l'est dans le sud aujourd'hui. À ma gauche c'est Saint-Pierre, à ma droite c'est l'étang salé. Juste derrière la balance Coco Nena, un quartier appelle la rivière. Aujourd'hui nous l'est à Saint-Louis et c'est ça qui cause. Opé Jao. Alors nous là, comment il est le frère? Comment il est là même, doucement. Super. Tranquille. Merci à carrément notre quartier. Nous les Saint-Louis, quel quartier précisément là? Nous sommes dans le quartier Bonneuf Coco, pas loin de la rivière, voilà. Bonneuf Coco. C'est l'endroit là, les tranquilles, les jolis que c'est fêté là. Des fois, nous faisons un petit cabar avec l'association Cosmo de Zalon. Ouais. Et des fois là, des gens ils viennent là le week-end, petit moment pique-nique, petit moment partage, et les Maorés, Comoriens, un peu tout créole. Il fait qu'une manger, t'es là ma vie foyer. Oui, il fait qu'une manger, il gagne même la musique, il gagne la musique traditionnelle, il fait tout là. Il a un petit. Ils ont une petite tribune, tu vois ce que ça. Ça, c'est un galodrome, c'est un galodrome au règne. Ah ouais, le gars, c'est quoi? Depuis longtemps, existe ça? 15 ans, voire 17 ans. Ouais. Et là, comment il se passe là? De mon gars, il y a cette tribune, un peu de monde autour. La musique, tu es là, le petit local, tu es là, et puis dans la belle mouringue, une belle jury. Ça la creuse tout seul, ça, ou bien ça même là? Non, non, ça, c'est nous-mêmes, ça. C'est nous-mêmes, la creuse. Ça, bon, t'es pas facile, c'est tout c'est nous qu'on a fait ça. Ah oui, pour moi, c'est important parce que moi, m'a reconnu que mon grand-père, fin de compte, était un ancien mouringueur à ce côté de Ravine Blanche longtemps. Donc, fin de compte, donne 120. Les gaillards, hein? Ah ouais, les gaillards. Allez, nous la quitte le rond moringue juste derrière. Nous arrivons devant l'entrée Moulin Maï. Oui. T'es Mouna, tu fais chaud, là. Heureusement, on a détroit. On a planté des trois pieds de bois. Ben, c'est moi-même qui plante ça en plus. C'est moi-même qui plante ça. Ah, on a planté ça, sérieux? Oui, en 2013, c'est moi qui plante ça. T'es là, on a commencé à travailler. Ben, petit coco, mais comment t'en as grandi? Bientôt, on a des cocos avec nos petits dallons, là. Oui, là, tu comprends bien. Ah, ben, si, il y a des cocos. On va un quoi dedans, c'est-à-dire. Alors, à Astéa Jao, nous arrivons dans cette grande pièce-là. Ici, oui. C'est quoi ça, hein? Ici, c'est quoi cette ici, c'est là, nous sommes dans à l'intérieur du Moulin Maï, où ça, ici même, nos ancêtres et la population Saint-Louis, t'es fait Maï, t'es fait Sous-Maï, t'es fait Maï. Ben, allons, regarde, ça, dans Montagne de Saint-Cours. Alors, c'est quoi il y en a dedans? Là-dedans, il y en a où ça. On avait un canal de l'eau que aujourd'hui avec un canal de l'eau. Là-dedans, t'es l'eau t'es tout pour les autres machines, t'es sidants à l'époque, t'es bois et maïs. Ça n'a des histoires sérieuses. Ah, là-dedans, oui. Ah, là-dedans, il y a des histoires. Franchement, les dents zérées. Et ici, là, dis-moi, t'es béni, il bénit couteau? Oui, ici, il fait toujours le baptême couteau ici. Baptême couteau? Baptême couteau, c'est combien de monde que ça coupe quand la coupe quand il commence. Ouais. Fait que ici, il bénit le bœuf, le couteau. Et là, toujours, il passe ça. C'est toujours passe ça ici.